Allez hop, occupons-nous de lui. Ah, te voilà, agent. On fait comme la dernière fois. Ouais, question pour un One Punch Man. Première question, on y va. C'est le meilleur de la classe A, une idole et un homme à femme. Qui est ce héros? Passons à la question numéro 2. Qui est le ninja qui sème la pagaille Sonic... Le foudroyant. Ok, dernière question. À quel niveau de fléau correspond à la destruction potentielle? Alors je sais plus, est-ce que c'est dragon ou dieu? Je crois que c'est dieu. Ah zut! Alors ça doit être dragon. Excellent travail, agent! Il n'y a plus de tâches à te confier, voilà ta récompense, tu l'as bien mérité. Ok, ça c'est fait. Oui. Quelqu'un veut visiter... Oh, ouais. Tiger Marcel, comment ça va l'ami? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Yo! Débrouille-toi. Ta cibrité grimpe aussi vite que celle de mon petit frère. Et par extension, elle fait grimper la mienne. Alors voici un petit cadeau de remerciement. Nous avons une relation symbolique, toi et moi. Autant que ça se passe bien entre nous. Ok, d'accord. Tenez, un bon de réduction pour célébrer notre ouverture. C'était notre dernier, vous avez choisi d'arriver au bon moment. Oh, Saitama, salut. Le dernier? Quel poids sérieux. Bah, je te le donne. Non, t'en fais pas. Bon, si tu insistes. Hey, moi je le prends avec plaisir. Alors, vas-y, balance. Pourquoi tu en veux? Je suis un monstre qui adore piquer des trucs. Peu importe ce que j'obtiens, ça me colle des frissons à chaque fois. Ah tiens, on devrait bien s'entendre, moi aussi je suis fan de shopping. Hein? Répète un peu. Détends-toi pendant que je te brise la nuque avant de repartir avec ton bon de réduction. Pars-toi, sérieux. Tu te prends pour qui, toi? Bah, on s'en fout. Personne ne m'empêchera de t'estorquer. C'est ce qu'on va voir. Comme je lui ai donné le bon de réduction, c'est lui qui se fait attaquer, d'accord. Hey, j'ai vraiment l'impression que les choix dans le jeu, ça permet d'avoir des trucs supplémentaires selon ce que tu veux. Bon allez, hop. Ça va. Au revoir, monsieur. Au fait, jusqu'à 4 clients peuvent utiliser ce bon de réduction. Bah rejoins-moi, Saitama. Une minute. Ça va te faire appliquer Genos. Tu peux aussi s'en servir, hein. Bah ouais. Par contre, Genos, il doit pas du tout m'apprécier.
Allez, Saitama, donne-moi du point, donne-moi du point. Oh, mais je t'ai donné le bon de réduction. Bon sang, je suis foutu, c'est la merde. Dis, tu serais pas un héros par hasard? Si jamais c'est le cas, je suis sauvé. Dis-moi, tu aurais une minute? Bien sûr. Vraiment, c'est mon genre de chance. Il y a cette fille que j'aime bien, j'aimerais bien lui avouer mes sentiments. Mais nous ne sommes pas vraiment proches, juste des amis. Bon d'accord, on se connaît à peine. Tu vois le tableau, je suis pas vraiment en position de lui déclarer mon amour directement. C'est là que tu entres en jeu. J'aurais besoin que tu lui donnes quelque chose. Tiens, c'est un cadeau. Va lui donner et advienne que pourra. Je t'en prie, héros. Qu'est-ce qu'il vient de me donner? J'ai peur. Bon après ça c'est le coup classique. Tu demandes à une fille qui connaît bien la fille de lui donner un cadeau pour essayer de l'approcher, sans vraiment devoir t'approcher toi-même physiquement. Ouais voilà, c'est un grand classique. Bon, ça assure pas les résultats, mais tu serais pas une héroïne, toi? Tiens, qu'est-ce qu'un héros peut bien me vouloir? Ah non, pas une héroïne, peut-être une chanteuse, une idole peut-être. Enfin, une idole, comme on dit. Oh, qui est amoureux de moi? Toi? Non, je sais pas pour ce qu'il en est de Nyusu, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour s'occuper de l'histoire. Les relations amoureuses, tout ça, etc., on s'en occupera une autre fois, d'accord? De quoi? Tu es là pour quelqu'un d'autre? Sérieusement? Quel culot, ou plutôt quel manque de courage. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Ah bah comme je l'avais dit, hein, résultat zéro. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hé hey, toi héros, à toi de jouer. Ok. Pas besoin d'un héros, hein, vous savez que Aya me débrouille tout seul avec ce genre d'ennemis. Par contre, vous avez remarqué, on rencontre plein d'ennemis très variés quand même. Ils ont fait l'effort de nous créer des adversaires très différents, je pense que... Oh, la majesté est bien mieux, mon perso. Quand même c'est chiant, hein. C'est pas juste genre ils répètent en boucle le même ennemi qui change de couleur. Non non, vraiment ils se sont fait chier à varier les styles des ennemis. Alors, on va dire que j'aurais pu réussir sans me recevoir une seule. Ah bon, c'est pas grave. Quelques claques. T'as de la chance que Rebel Girl ne s'est pas énervée, qu'elle a pas enlevé sa veste. Qu'elle a pas enlevé, comment ça s'appelle? Oui, lui parler. Qu'elle a pas enlevé sa veste, sa cravate et sa chemise. Attention, et, quand elle enlève tout ça, attention, elle est méga énervée. Et sous la chemise, il y a un Marcel, comme ils disent. Moi, je dis plutôt un débardeur, mais... Ouf, merci de m'avoir sauvé, héros. Dis à celui qui t'a envoyé que je ne sors pas avec les lâches qui ne font même pas de déclaration. Je préfère les personnes courageuses, comme toi. Au revoir et merci. Après, je sais pas, peut-être que Nyusu pourrait être intéressé, j'en sais rien, moi. J'en sais rien de quel bord elle est, comme on dit, hein. Mais bon, là n'est pas la question. Là, on est là pour faire notre job. Et notre job, là, c'est de dire au gars, bon... La technique d'envoyer quelqu'un d'autre à ta place, ça marche pas forcément bien. C'est... voilà, c'est moyen comme résultat. Quoi? Elle a refusé? Oh. Oh. Elle refuse de sortir avec un cas pas assez courageux pour venir en personne, c'est ça? Les personnes faibles la dégoûtent, tu dis? Je suis tellement... pitoyable. Mais tu sais quoi? Elle a raison. Il vaut mieux faire ce genre de choses face à face. Au moins, j'aurais appris quelque chose. Merci pour la leçon de vie, héros. C'est un peu la leçon de vie que normalement tout le monde sait, mais bon. Au fait, le cadeau, je te le donne. Bon, je vais donc rentrer chez moi, seul. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, il voulait lui offrir un nœud, sûrement à mettre dans les cheveux, là, vous savez. Vous savez, c'est ce ruban que vous mettez autour de la tête, des fois, tout ça, enfin bref.